bordel! J'en ai marre de ce problème. Un avion banalisé s'est écrasé dans notre quartier. Pire, c'est que j'ai encore regardé hier, hein. Je sais pas pourquoi. L'accès au site du crash est désormais interdit. En plus, maintenant, c'est... Avant, des fois, j'avais l'impression d'avoir réussi à régler le problème, mais maintenant, c'est complètement aléatoire. Des fois, ça crache au bout d'une heure, des fois, ça crache au bout de deux heures. J'ai réussi... À la fin, au 31 décembre, là, j'ai fait un stream de 4 heures sans crash, et... Le Black Sapphire, la forteresse. Et là, faut que ça crache au bout d'une heure. Protégée par n'importe quoi. Mais je sais pas c'est quoi la différence, je change rien. Au niveau inférieur, tandis qu'en haut, c'est un havre décadent pour les ultra-riches. Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment. Oui, mais vous avez réussi. Hansen cache les secrets de son hôtel avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes. Mais avec de la volonté, on trouve souvent une solution. Tu aides un de mes clients, il nous renvoie l'ascenseur et je gagne du terrain. Ok, pas de problème. Un échange de bons procédés. Dis-moi tout. Les plans du bâtiment sont à toi. Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte. Un petit gage de ma gratitude. C'est sympa. Et j'imagine que ça va de soi, mais les données et leurs sources sont complètement sécurisées. Personne ne sait que tu les détiens. Les fuites de données ou leur absence sont la différence entre moi et le regretté Monsieur de Chaune, par exemple. L'éclat contient toutes les infos et les plans du Black Sapphire, jusque dans les moindres détails. D'accord. J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer et d'effectuer tes pas de danse. Mais je te préviens, même avec de la préparation, tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères. Fais bien attention. Tic-tac, tic-tac, l'heure tourne. Eh ben ok, eh ben merci. Oh. V. Re. On n'a pas tout notre temps. Merci, Hans. J'espère juste que ça ne signera pas la fin de notre collaboration. Ah, les nouvelles missions de Hans. Je devrais bientôt avoir de nouvelles missions pour toi. Laissez-moi deviner. Encore pour de la politique locale. Il y a toujours de l'action à Dogtown, et en coulisses, les intrigues sont nombreuses. S'il venait à y avoir du changement, et je suis persuadé que c'est inévitable, oh oui, parce que je vais tuer l'autre. De rendre la transition la plus douce possible. Tu m'étonnes. Bon, j'ai hâte de voir ces nouveaux contrats. Tu auras rapidement de mes nouvelles, je te le garantis. Eh ben, c'est très bien, ça. Une dernière chose, V. Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie, ok? Pas de problème, mon grand. Tu te rends dans un endroit où se mêlent politique locale et internationale. Deux très forts courants. Alors je fais en sorte de pas me faire emporter. À plus tard, Hans. Allez, bon, bah c'était très très cool de rencontrer Hans. C'est bien dommage qu'il y ait eu ce problème de crash en plein milieu de la conversation. Mais bon, ça, c'est la vie. Enfin, c'est la vie. Ah, il y a ce problème avec les... Il pourrait éviter, voilà. Moi j'aimerais bien rentrer dans le staff only. Bon, pas grave. Je vais pas me fâcher avec monsieur Hand juste par curiosité. Quoique si j'en serais capable, mais bon. Il a un problème à l'entrée de Doctor Napam. Oh, attends. Ouais, ah, c'est le prospectus de Every Edge. T'as vu Lizzie Wizzy ici? T'es sûr que t'as pas fumé? Attends.
cliquer. Hop là. Voilà. Est-ce que ça... Hop, tac, youp, youp. Oh là là, oh, ça va recommencer. Oh, ça va recrash à coup sûr. Ah mince. Ah, attends, c'est pas de cette façon-là. Voilà, c'est ici que je veux. Ok, ça c'est net. Et ça c'est ultra. Ok. Faut juste que... Voilà. Ah oui, mais par contre, faut que je change l'autofocus dans ce cas-là. Voilà. Pas besoin d'être aussi pas net. Pas net. Tac. Est-ce que... Non, comme ça, c'est cool. Ok. Non, ça fait bizarre. Mais c'est pas désagréable. Hop. Ok, bon. Profitons un peu avant que ça recrache. Ah mais ouais, donc là il y a les quêtes de Monsieur N qui sont débloquées, mais il faut que j'appelle Reed aussi. Bon, je vais appeler Reed tout de suite et comme ça sera fait. Reed, Enz m'a donné l'éclat de données. Notre ticket d'or pour entrer au Black Sapphire. Parfait, envoie-le-moi. Et t'en fais pas, la connexion est sécurisée. Ouf. Yep, c'est en route. Ça, c'est ton problème. Et si elle est pas sécurisée. Reçu. Je vais filer tout ça, Alex. Rejoins-nous au MOS une fois que t'es prête. Si j'y suis okay. Pas quand t'arrives, attends-moi. A plus. Et à plus. Mais moi, j'ai d'autres choses à faire avant. J'ai des nouvelles missions. Et on va aller faire d'abord les nouvelles missions. Roulez. Oh, tu vois, je me suis un peu raté sur le saut, je trouve. Je pesais lourd à Corpo Plaza. Ouais, ouais, bien sûr. Tu peux. Tu... Ah, tu pesais lourd à Corpo Plaza. Tic. Je vais faire écraser, moi. Non, c'est bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Pride of. Ah, Pride of Aiden. Ouais, bof, la mission. La mission voiture, j'en ai pas besoin, de toute façon, c'est des missions répétables. Ok, donc faut que j'aille en haut. Pas un petit largage là? Dommage. Hop. On va où on va dans cette zone. Je suis pas allé souvent dans cette zone. Ok. Je me dis aussi, il y avait, j'entendais un klaxon. Mais c'est tout à fait normal. Oula. Est-ce qu'on va trouver des trucs? Tout le fric que je m'étais fait. Compte pas sur moi pour t'en prêter. C'est fini. Ok. Allez, s'il te plaît. C'est la dernière fois, je te jure. Ouais, ouais, c'est ça. Oh, monsieur. J'ai du boulot pour toi, V. Ah, maintenant, je le vois en vrai. Ok, trop fort. C'est enfui dans Dogtown. Je voudrais que tu veilles sur elle. Enfui? Ça veut dire que je dois la planquer? Non. Brille sur une pile. Attends. Ah. Ouais, c'est pour me dire qu'on prend. Que tu l'aides à terminer son enquête. Elle pense être traquée par un corpo.
C'est tout ce qu'elle a dit. Ok. Il semblerait que Miss Whitney soit un peu méfiante. Ok. Ok. Alors où est-ce que je la retrouve, cette femme mystérieuse? Va d'abord à son appartement, sur Skyline West. Tu dois y récupérer une carte d'accès électronique. Ok. Et non, ne me demande pas, elle ouvre quoi, cette carte? Je n'en sais rien. Contacte-moi quand ce sera fait. Je te donnerai plus de détails à ce moment-là. Pas de problème. Je fais ça, je fais ça. T'es la mère Goenz, c'est ça? Tu sais quoi au juste sur le boulot? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Hans a dit un truc à propos d'athlètes et de gens qui fraudent le fisc. Voilà le topo. Dans cette académie, ils entraînent et façonnent de jeunes athlètes. Des gens viennent du monde entier pour les rencontrer, leur faire signer des contrats. Tu vas entrer comme découvreuse de talent pour les San Diego Shredders. D'accord. Tu t'appelles Victoria Wilson, 28 ans, okay. Et tu cherches un receveur. J'inscris ta visite dans leur système. C'est bon, t'as tout suivi? Ouais, c'est bon. Ouais, San Diego Shredders, Victoria Wilson, 28 ans. Je cherche un receveur. Parfait. Pense seulement à en dire le moins possible. Pas de bavardage inutile. Ok. Une fois entré, trouve le bureau de Fiona Vargas, la directrice de l'académie, et récupère les données sur tous les découvreurs de talent qui ont signé un contrat. Des questions? Non. Qu'est-ce qu'une académie sportive fait à Dogtown? Ouais. Oh, y en a partout dans le monde. Elles rendent les athlètes plus forts, plus performants. Mais si jamais tu voulais les améliorer avant l'âge légal, où est-ce que t'irais naturellement? Ah, là où okay. Tout le monde s'en fout. Voilà. Autrement dit, à Dogtown. C'est Hansen qui y fixe toutes les règles. Et le reste, tout le monde s'en tape. Ok, je vois. Ma couverture est un peu mince. Faudrait l'étoffer un peu, tu crois pas? Oh non. Pas la peine, elle sert seulement à te faire entrer. Une fois à l'intérieur, évite de parler de toi. Fonds-toi dans le décor, récupère les données et ressors. Ok. Hans est collecteur d'impôts maintenant? Difficile à croire. Oh. Et si je te dis qu'il est collecteur de gros paquets d'édits, ça te semble plus facile à croire? Le job fait pas rêver, mais ça paye. Des démons d'Arasaka? Pas facile de s'en procurer. Comment tu sais qu'ils sont d'Arasaka? Parce que je travaillais, je suis Arasaka. Troisième branche. Cybersécurité, première branche. On dirait qu'on a tous les deux pris un mauvais tournant. Désolé, je m'appelle Baird. V. Ok, un scan rapide et on y est. Le système t'a reconnu, tu devrais pouvoir entrer sans problème. Bonne chance. Bonne chance. Ça, y a pas de problème. La chance. Mais c'est pas la même mission. J'ai pas déclenché deux missions en même temps. J'ai l'impression de... Bref, pas grave. Salle d'expo. J'ai l'impression de ne pas être sur la bonne mission en fait. D'accord. Non, c'est bon. Ok. D'accord. Non, tout est bon. Information inquiétante en provenance des Badlands. Nous apprenons... Bienvenue, Madame Wilson. Approchez, je vous prie. Ah oui, mince. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que vous voyez ici est protégé par un accord de confidentialité. Ouais. Donc, si la moindre information sur nos athlètes est rendue publique, alors nous nous verrons dans l'obligation d'annuler notre contrat avec les San Diego Shredders avec effet immédiat. Pas de problème. Ah, vous plaisantez pas. Pour commencer votre visite, je me permets de vous conseiller notre excellent bar. Les boissons sont offertes. Ah, bon, ça te plaît, ça, Johnny? J'ai une première mission pour toi. Il faut que tu neutralises tout de suite 3 shots de tequila. Bonjour, Clara Molina, de l'Atlético Barcelone. Qui se sert de ces robots? Nos interfaces verbomotrices intégrées sont utilisées à distance par les découvreurs de talents comme vous, depuis l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Ah, c'est les gens qui peuvent se déplacer. Tout le monde ne peut pas venir en personne à Dogtown. Alors nous avons apporté une solution. Pas bête. J'aimerais parler au docteur Fiona Vargas en privé. Sans rendez-vous, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pas de problème. Ok.
Necker d'accord. Ah ouais, pas mal l'idée. C'est pas des athlètes, V. Juste des gamins. Et ils sont bien trop jeunes pour ce genre de chrome. Je vois ça, Johnny. Quelle bande d'enculés. Mesdames et messieurs, bah ouais. La junior suivante pour la saison 2077-2078 est Katie McCannon. Ouais, c'est de la traite d'esclaves, hein, à ce niveau-là. Katie est une jeune mais très talentueuse joueuse de football. Poste de prédilection, milieu de terrain. Elle est dotée de ligaments croisés antérieurs perma renforcés et dispose d'une excellente croissance des quadriceps. Ok. Attends, parce que tu fais du sport avec du chrome. Consultez notre offre de départ. Ces dernières statistiques de performance sont aussi affichées sur l'écran. Quel est l'intérêt de faire du sport avec du chrome? Ça enlève tout l'intérêt du sport. Comme quoi, les sportifs sont pas fans de sport. Gardien, pas un défenseur. On vous laisse Baker si vous nous donnez Gomez. Les statistiques sont disponibles. Dans un je vois une place libre à votre nom, juste de l'autre côté. D'accord. Mais n'oubliez pas que c'est un prêt. Le centre de développement neuromoteur site 341 est l'une des est l'un des établissements les plus avancés consacrés à la formation des jeunes athlètes. Nous recrutons des talents et investissons beaucoup de temps et de ressources pour garantir aux clubs sportifs du monde entier un flux régulier d'attaques d'athlètes capables de passionner les fans. Vous cherchez des athlètes dont les performances, le talent naturel et le charisme sauront attirer les annonceurs, vous frappez à la bonne porte. Vous pensez que ce sont des promesses creuses? Avez-vous entendu parler d'Al Fork, Mark Holloway ou Monica Diaz? Chacun d'entre eux est sorti de notre centre et a été modelé par l'expertise de notre docteur Fiona Vargas. C'est une horreur absolue! Je suis à vous tout de suite, madame. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus horrible, tout ce qu'il y a de plus détestable dans le sport. Démonstration, il y en a souvent. Chaque fois que le docteur Vargas pense qu'un athlète mérite d'être montré, c'est-à-dire assez souvent. D'accord. Le docteur Fiona, il lui arrive de venir à ces événements? Non, elle aime pas trop se mêler aux gens. Elle préfère rester cloîtrée dans son bureau en bas. Ok. Une double Senzon Tequila, c'est possible? Tenez. Première visite, je présume? Pour quelle équipe est-ce que vous recrutez? Oh. Lui, c'est pas un vrai barman. Je suis juste là pour un verre. Les statistiques sont... Lui, il est là pour voir si je suis... C'était quoi? Oh! C'était du verre trempé. Oh, et tout pour connaître le secret de Fiona. Désolé, je dois momentanément fermer le bar. Je suis navré, mesdames et messieurs, mais les dégâts subis par l'équipement nous obligent à interrompre la démonstration. C'est le moment ou jamais de se glisser dans les coulisses de ce putain de cirque. Tu m'étonnes. Johnny Silverhand me demande de quitter un bar. Alors ça, c'est une première. Alors ça, c'est une première. Hop. Tac. Nos entrées? Oh bah alors ça, les mecs, vous me connaissez pas. Ah non, merde, vraiment nos entrées. Ok, d'accord, désolé. J'étais trop arrogant. C'est par là qu'il faut que j'ouvre, désolé. Hop là. Ok. Wow, vous êtes deux? Ah, je pensais pas que vous étiez deux. Si vous êtes deux... Ah bah... Quoi? Il y a... Attends, non, non, non! J'ai lancé le truc trop tôt. J'ai lancé le truc trop tôt. Alors qu'il y avait la caméra! Évidemment qu'il y a des caméras! Évidemment qu'il y a des caméras dans ce genre de... d'endroit. Réfléchis. Sois pas con. Une honte. Ok, allez. On fait ça correctement. Ça serait sympathique. Là. Voilà. Tac, tu vois. Tu désactives la caméra. Ah, voilà, tout tranquille. Et là, tu peux te débarrasser des deux idiots. Là. Là. Non, non, ramasse pas le corps.
Voilà. Hop là. Ok. Tac. Ah, attends. Ah oui, parce qu'il a, elle a des potes là. Ok. Wouli. Attends. Tac. Ok. Voilà. Voilà. Non, ok. Ça, ça m'intéresse pas. Il y a des gens de l'autre côté, mais ça m'intéresse pas. Ah non, mais je croyais qu'il était de ce côté-là, le truc. Ok. Ça. Ok. Voilà. Hop là. Ouh. Plein de trucs. Les trucs, c'est cool. Alors ouais. Ok. Ah mais il y a pas de F. Ok. Ouais mais je vais bien trouver un F. Waouh, il y a pas de F intéressant. Non, tu rigoles. Il y a pas de F intéressant, c'est une honte. Oh, les 1C sont ultra mal placés. Oh, fais chier. Ouais, parce que... Ouais. Non, mais je suis trop con. Ah, j'aurais dû plus réfléchir. Bon, pas grave. C'est pas vraiment un problème, tous ces trucs-là. Et par là, on va par où? Ah, c'est les toilettes, là. Ok, d'accord. Pas le truc le plus intéressant. Mais ça a le mérite d'exister. Ok. Donc ça, il y a le truc. Ah, mais je peux même pas rentrer ici. D'accord, cette porte-là, elle est vraiment... Ah, attends. Ah bah oui, je me disais aussi. Voilà. Quand même. Là. Hop, tac. Et c'est quoi ça? Ouvrir la porte, ça, ça me va. Cher employé, je vous rappelle qu'il est interdit d'accéder sans autorisation à la médecine du sport niveau moins 2. Cela concerne particulièrement les agents de sécurité. Voir des individus armés engendre du stress chez les jeunes dont nous avons la garde. Des niveaux de cortisol élevés ont un impact négatif sur les performances sportives et je déteste que l'on vienne gâcher mes efforts par mes gardes. Ok. Ok, ok. Donc on s'en fout hein, du fait qu'ils soient stressés par... par des hommes en armes hein, l'important. Oh putain. Ok d'accord, j'avais pas compris que ça a donné sur la scène. Le plus important hein, c'est leur performance hein. J'espère qu'on aura le choix de la tuer le docteur Fiona. Juste pour plaisir hein. Non, ça va être du pur plaisir hein, si on peut la tuer. Tididi. Okay. Je sais pas qui vous êtes, vous. Vous êtes qui? Ouvrier. Ouais, mais des ouvriers avec des grenades aveuglantes. Je suis désolé, les gars, mais. Il n'y a pas. Ok. De toute façon, pour travailler dans un tel environnement. Pas de pitié, on s'en bat les couilles, on tue tout le monde. C'est ça la chambre des athlètes? Non, c'est pas ça la chambre des gamins quand même. Là c'est juste pour quand ils sont en entraînement, j'espère. Âge 11 ans, état normal très bon, perspective de développement bonne, avis du docteur Vargas, contrat signé avec les Atlanta Wolves, prépare son transport. Mental moyen, perspective de développement très bonne. Brillant durant les présentations des athlètes. État mental préoccupant. Ok. Ses symptômes dépressifs malgré une psychothérapie constante par IA. Perspective de développement aucune. Laissez tomber. Ok. Ah. Laissez tomber. Mental moyen, bonne. Investir. Ok. Brillant durant la présentation. Investir.
dépressif. Bonne, ok. Si la psychothérapie fonctionne. Ok, c'est bon à savoir. Choum, écoute, il faudrait mieux attendre pour installer cet implant de muscle squelettique. D'après les dernières recherches, il est préférable que les enfants recréent des connexions nerveuses en utilisant leurs propres muscles après une blessure. C'est des conneries, les dernières recherches, il n'y en a pas, à part celle de Fiona, et les résultats sont plus que parlants. Pourquoi perdre du temps à recréer des connexions nerveuses qu'il faudra quand même recalibrer avec de nouveaux muscles? On implantera ce gamin cette semaine, inutile d'attendre qu'il se blesse à nouveau. Oulé. Ok, ok. Mmh. Oh. Peut-être une mauvaise idée de forcer comme ça le truc. Oh, quoique, non, il n'y avait personne, donc c'est bon. Tac, tac. Ok. Wow. Attends, c'est qui me voit? Ok, ok, c'est les deux qui me voient, là. Tac. Il y a des caméras? Ah, mais ils sont deux là-bas. Ok, c'est la deuxième qui me voit. Attends, parce que dans ce cas-là... Ok. Ces enfants reçoivent vraiment un entraînement de pointe ici. Ok. T'es qui toi? Garde vétéran. Ok. Pas de. Pas de pitié. On fouillera après. Je vais me débarrasser des deux connards d'abord. Attends, il y en a un troisième? Ah oh fuck, s'il y en a un troisième, c'est chiant. Pas grave, je vais voir d'abord ce que je peux faire avec les deux là. Je crois qu'ils se sont pris dans les bras, c'est con. Voilà, et c'est tout bon. Bingo. Hop. Informer Fiona que Tommy Walker n'est plus apte à poursuivre l'entraînement. Le corps du garçon est trop âgé ou trop fatigué pour des implants médiocres, ce qui ralentit sa régénération. Tommy présente aussi des problèmes psychologiques, notamment une piètre estime de soi. Plus important encore, malgré des performances correctes sur les machines, il ne joue pas très bien. Il stresse durant les matchs, ce qui le pousse à enchaîner les erreurs. Il faut qu'il parte. Quelqu'un avec plus de potentiel doit prendre sa place. Par contre, moi, faut que j'aille où? Oula! Attends, je rentre chez les gosses. Ok. C'est ça leur chambre? Oh, c'est l'enfer, ils sont tout le temps observés, tout ça en fait. Gaspar Nice. Le sujet se vaut dans l'apathie après installation du Standisfan. Le réseau neural du sujet a présenté des difficultés pour répondre aux neurotransmetteurs. Le sujet ne réagit pas à la prise inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Le sujet souffrira probablement de dépression chronique. Génial. Le sujet souffre de crises d'angoisse généralisées et de troubles obsessionnels compulsifs, entraînant des problèmes de motivation. Depuis l'installation d'optique améliorée, le sujet a du mal à dormir et à transférer des données neurales entre ses mémoires à long et court terme. Exclusion. La psychanalyse par IA ne peut pas aider le sujet et ses problèmes psychologiques ne feront que s'aggraver. Génial. On a gâché sa vie, donc on s'en débarrasse. Hein. De toute façon, il ne servira à rien. C'est fantastique. C'est fantastique, cet endroit. Vraiment, vraiment. Ok. Ah, on est dans le bureau du directeur, c'est ça? Ok, attends. Ouais, il y avait un autre endroit que je voulais visiter avant d'arriver là. C'était où? C'était par là, ouais. Il y avait un truc bizarre par ici. Ah non, c'est un cul-de-sac, ok. Avec des robots et tout ça, des implants, ok. Pas de problème. Ah, par contre, dans la salle des serveurs, il y avait un truc à pirater, ok. Tac, tac, tac. Allez, on fait les choses à peu près bien cette fois. 50 sacs. Ok, mais il y a... Ouais, il y a un F de correct avec un A. Et donc là, après, il y a juste à finir tranquille.
Tac. Ok, donc ça c'est terminé, on peut y aller. Je suppose que je peux pas directement pirater ici. Ouais. Non, c'est bizarre, j'ai tué tout le monde mais j'ai pas la carte d'accès. Bon, pas grave, on peut passer à côté, il n'y a pas de problème, les enfants ont pas l'air de râler. On va passer de l'autre côté. Ouais, ah ça c'est des bottes d'entraînement. Ok, ok. Wow, qu'est-ce qu'il fout là lui? Tommy Walker. Ah, c'est celui qui va être expulsé pour je sais plus quoi. Oh mince, c'est je cherchais juste. Du calme. Comment tu t'appelles? De toute façon, tu vas être expulsé, Tommy. Tommy. Comment t'es entré ici? On t'a laissé sortir de ta chambre? Ben, je connais quelques trucs. Mon père, il était qui? Il m'a appris plein de choses. Cool. Salut, Tommy. Je m'appelle V. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je suis juste là. Ok. Dans le bureau de la directrice? Arrête. Je sais que tu cherchais quelque chose. Ouais. Je voulais voir si une équipe m'avait choisi. Mais bah non, tu vas même être... tu vas m'être exclu, mon grand. C'est pas juste. Je suis hyper doué. J'ai le bon chrome. Je suis super ultra rapide. Ton jour viendra. Ça prend du temps. C'est tout. Ouais, mais... je commence à être vieux. Vieux. J'adore bientôt, les jeunes quand ils disent qu'ils pensent être vieux. Voudront plus de moi. Et papa disait que je devais réussir parce qu'on vit à Dogtown et qu'une carrière dans le sport, c'est notre dernière chance. Oh, c'est triste. C'est dur d'avoir une telle responsabilité. Mais si c'était pas pour ta famille, tu voudrais faire quoi? M'amuser, je pense. Prendre des vacances, ça serait génial. T'es un bon petit gars, Tommy. Tu le sais? Je sais. Hey, courage, petit. Allez, tout ira bien, tu verras. C'est faux, on a vu son dossier. Dis-moi, petit génie, tu saurais pas où se trouve le terminal de Fiona? J'en ai besoin une seconde. Il est juste là, vous le voyez pas? Ah bah ça alors... est-ce que je peux être bête? Vous voyez? Je sais tout. Ouais, t'es une sacrée petite canaille. Allez, courage. Et dépêche-toi de filer avant que Madame Fiona te voie. Oui, madame. Mais je dois juste trouver... un truc. Ah là là. Bon, allez, on va les donner. Quoi? Oh merde. Mais qu'est-ce que vous... Tommy, sors d'ici. Tout de suite. Attendez, elle cherchait votre bureau. Je voulais juste l'aider. S'il vous plaît, Madame Fiona. Laissez le garçon en dehors de ça, je vous prie. C'est bon, Tommy, tu peux y aller. Fiona et moi avons des affaires d'adultes à régler. Pas vrai? Si, tout à fait. Allez, petit, file. Entre gens raisonnables, je suis certaine qu'on devrait pouvoir... Quoi? Ah. Attends. S'entendre. Ah, purée. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, voilà. Votre mort, principalement. Ce que je veux, c'est principalement votre mort. Hein. Je vais pas te cacher, ma grande, que là, ce que j'ai découvert dans cet endroit m'énerve passablement et que si je peux te tuer, je le ferai. Ok. Si on adoucit un peu derrière, voilà. Ouais, quand même un petit peu. Ok, ça me va.
troublé. Détruire tout ce que je viens de voir. Ouais, c'est un peu ça, mais je dois accéder le à votre ordinateur. Le terminal et les données de tous les costards avec qui vous avez fait affaire. Transactions, contrats, accords. C'est tout ce qu'on me demande. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Bof. Quelqu'un en a marre que vos clients s'acquittent pas de leur dû. J'ai le devoir de protéger mon entreprise et mes clients. Ouf. Je suis certaine que vous comprenez. Son entreprise? Ouais. Elle manque pas d'air. Je suis d'accord avec toi, Johnny. Pensez aux enfants. Vous voulez vraiment les priver de leur seule chance d'avoir une vie meilleure? Fils de pute. Mais quelle salope. Écoutez-moi juste un instant. J'ai une offre à vous faire. Vraiment? Attends, je sauvegarde. Et je veux entendre son offre, quand même. Coucher. Mais ça a intérêt à tenir la route. Merci. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, ça vaut le coup parce que ça nous fait découvrir du lore. Mais en vrai... Vous voyez ça? Ouais, non, mais patience a des limites, Fiona. Mark Elway, 22 ans, un basketteur exceptionnel. Ouais, ouais. Monica Diaz, 25 ans, 15e au classement mondial du tennis. Seulement ? Et notre plus grande star, Alford, champion poids lourd des NUSA, a seulement 21 ans. J'en ai rien à foutre. Vous allez me dire que tout ça, c'est grâce à vous ? Oui, c'est moi qui les ai aidés. Ouais, et youpi, si il y en a trois. Clients, ce centre coulera et l'avenir de ses enfants s'assombrira. Et ça vaut aussi pour Tommy. Son dossier est juste là. En m'aidant, vous l'aiderez. Un tel cynisme, ça mérite une médaille. Ok, on a lu le dossier de Tommy, donc elle veut nous faire chanter pour faire sauver Tommy. Oh, d'accord. Je vous écoute. Vous vous servez de Tommy pour négocier? On a tous des choix à faire. Voilà mon offre. On organise une fuite contrôlée. Je vous remettrai les données de quelques clients secondaires pour moi. Votre employeur veut des noms, des détails de transactions, il les aura. Tout le monde y trouvera son compte. Les gamins qui finissent dans la rue, avec une maladie post-implantation. Tu penses qu'ils accrochent leurs photos là aussi? Non. Tommy, mais t'inquiète, Johnny. Quelles sont ses chances de signer un contrat? Presque nulle. Parmi les meilleurs joueurs, seulement 15 à 20% en signent. Tommy va sûrement rentrer chez lui. Sans fric pour entretenir son chrome, réguler ses organes, et préserver un bon fonctionnement de son corps. Ouais. C'est comme ça. Soit on gagne gros, soit on rentre chez soi. Mais vous pouvez peut-être encore aider Tommy. Son dossier n'est pas obligé de rester sur mon bureau. D'accord. Pourquoi vous donnez tout ce mal ici? Eh bien, pour tout vous dire, ça coûte moins cher. Ah, c'est pas parce que vous implantez des gamins trop jeunes pour ça? Vous croyez qu'on est les seuls? Vous pouvez citer le nom d'un seul athlète sans implant? Ouais, ça je comprends pas, non, par bien contre. Sûr. Plus on commence tôt, mieux c'est sur le long terme. Le sport serait terriblement ennuyeux autrement. C'est pas le principe du sport. Enfin, c'est le principe du sport professionnel d'être amusant, mais c'est plus du sport s'il y a des implants. C'est comme pour le Instant dopage. Professionnel. Ça a aucun intérêt. Sinon, on fait juste une section de dopage et puis c'est les meilleurs vous dopés vous qui gagnent. Sur le dos de ces pauvres gamins et de leurs parents. Contrairement à votre profession, je leur offre une chance d'améliorer leur vie. Pas gratuitement, bien sûr, mais les parents connaissent les risques. C'est juste pour le lore, hein. Bien sûr, les je vais la tuer. Et les comprendre, c'est pas la même chose. Allez à Night City, regardez tous ces gamins qui traînent seuls dans la rue. Vous croyez qu'ils s'en sortent mieux que nos futurs athlètes? Vous êtes leur bon samaritain, c'est ça? Bon, allez, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut organiser la fuite mais faire signer un contrat à Tommy? J'accepte votre offre. Tant que vous veillez à ce que Tommy signe un contrat. Un bon contrat. Entendu. Vous prenez une partie des données et Tommy rejoint une ligue locale européenne. Ce ne sera pas la gloire, mais il réalisera quand même son rêve. Données transférées. Vous avez pris une sage décision. Faudrait cramer cet endroit avec elle dedans. Ouais, bien sûr. Évidemment. Partez, s'il vous plaît. Hop. Enfin. Ouais, de rien. Genre, on allait te laisser en vie, connasse. Non, mais... Elle pense... Elle croyait quoi? N'importe quoi. Oh.
Ouais, youpi. Blabla, blabla, blabla. Donc ça, c'est pour dire allez vous faire foutre si votre fille n'est pas... voilà. Ok. Il y a des trucs intéressants ou pas? Après, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de données. Mais en vrai, l'important, c'est qu'elle soit morte. Hein. Je sais pas si... Bon, pauvre Tommy, hein, il signera nulle part. Hein, mais bon, de toute façon, faut pas laisser ce genre de connard en vie. Hein. Ah, je peux pas rentrer. Ok. Je sais pas si je la tue tout de suite ou pas. Si je recharge pour la tuer tout de suite ou pas. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans le bureau, en fait. Donc, en vrai... Ah si, quand même. Ok. Je sais pas si je reste quand même comme ça. En vrai, j'ai des données. Donc bon, je me dis... J'ai pas les données des clients principaux, mais j'ai les données secondaires. Je sais pas, j'hésite. Bon, il m'en voudra pas, Enz. Je vais envoyer des données, je vais envoyer des données. Est-ce qu'il se rend compte? En fait, le truc, c'est de savoir s'il se rend compte que je lui ai pas envoyé toutes les données. On verra. Si on me dit, ah, mais il n'y a pas toutes les données, j'irai, je rechargerai pour la tuer dès le départ et récupérer toutes les données. Oh merde, attends! Mais je suis trop con! Attends, il y a un truc qui, par contre, qui est pas normal. Il faut que je vérifie. Parce qu'il y a cet ordi que j'ai pas accès. Ah non, il n'y a pas d'ordi sur ce bureau-là. Ok, je pensais qu'il y avait un ordi et que je pourrais pirater cet ordi-là, mais pas du tout. Ouais, dans le bureau, il n'y a que cet ordi-là où on confirme que, simplement que les gamins abandonnés sont bien abandonnés. Ce qui est pas étonnant. Hein. Ok. Est-ce qu'il est content ou pas? Boulot, V. Grâce à toi, les Européens vont pouvoir veiller à ce que les fraudeurs fiscaux soient sanctionnés. Vous saviez qu'ils implantaient des gamins? N'en fais pas tout un drame. Ce n'est plus un secret. Tout le monde sait ce qui s'y passe. Mais ça n'intéresse pas grand ouais, monde. Tu m'étonnes. Si j'ai heurté ton sens de la morale, je m'en excuse. Non, le contrat est mais... bouclé. À la prochaine, V. On sait très bien comment ça se passe dans le sport. Hein. Du moment que ça rapporte du fric et que tout le monde est content, enfin tout le monde, que les matchs se passent, tout le monde en a absolument rien à foutre du reste. Hein. Les travailleurs qui construisent les stades olympiques. Bref, il y a 10 000 exemples. Les dopages qui deviennent légaux, parce que ça on l'oublie beaucoup, hein, mais le foot en mode ouais, il n'y a pas trop de dopage dans le foot, c'est essentiellement parce que la plupart des gros dopages du foot ont été rendus légaux. Hein. Enfin, certains en tout cas ont été rendus légaux en mode oh bah, comme tout le monde le fait, bof, on va dire que c'est légal, on va dire que c'est autorisé. Ok, d'accord. Bref, le sport, ça reste la pire industrie du monde. Je crois que même le pétrole est plus propre que l'industrie du sport. Même l'industrie pétrolière est plus propre que l'industrie du sport. Il y a des chances. Alors, dis-moi c'est quoi la prochaine mission? J'ai de la place dans mon inventaire. Oula! Ah ouais, ça commence à être chaud patate. Bon, pas grave, j'aurai sûrement de quoi faire. Ouais, avant de commencer la prochaine mission, je ferai... J'irai voir et puis voilà. Il y a eu un
massacre à Longshore Stacks. Des résidents se sont fait tuer par Léon Rinder, un ex-membre de longue date du Park Est. D'accord. Naturellement, les familles des victimes veulent qu'on le retrouve et qu'on s'occupe de lui. Pas de problème. Va là-bas et cherche Brianna Tolson, la représentante non officielle de Longshore Stacks. Ok. Elle te donnera tous les détails. Bonne chasse. Pas de problème. Ah, là c'est simple. C'est beaucoup plus simple. Un bon vieux, une bonne vieille chasse à l'homme. On a un problème à Longshore Stack. Le carnage a été causé par Léon Rinder, un ancien soldat de Hansen, qui a tué 8 personnes. On ne sait pas trop ce que Rinder faisait à Longshore Stack, ni pourquoi il a disjoncté ou quitté les rangs de Hansen. Ça fait beaucoup de questions sans réponse, V. Ce qui est sûr, c'est que les familles des victimes veulent mettre la main sur Rinder. Mais d'abord, il faut qu'on le trouve. Et c'est là que tu entres en jeu, V. Va à Longshore Stack, fouille la zone et va parler à leur représentant officieuse, Brianna Dolson. Tu trouveras peut-être une piste. Ok. Je suis à côté d'un truc, c'est très bien, comme ça je vais pouvoir vendre tranquillement. Ah, j'ai récupéré pas le truc, hein, quand même. Voilà. Tac, hop, faut faire attention à tout porter au moins une fois pour être sûr que je puisse après le mettre en comme ça, en transfo. Tic, tic, tic. Ok. Ok. Dans les armes, il y avait rien d'incroyable, hein, de toute façon. J'ai pas récupéré d'iconique, non. Non, bon, c'est bon. Il n'y a pas de risque de vendre un truc qu'il faut pas vendre. Hop là. Il faudra que j'aille voir aussi les voitures, hein. J'approche les 2 millions. Il y a moyen de racheter une voiture sympa, je pense. Comme de toute façon, moi, j'ai plus d'appart à acheter. C'est dommage. Mon seul regret sur le DLC, c'est qu'il rajoute pas d'appart à acheter. Mmh. Ou qu'il n'y ait pas moyen de. Ils n'aient pas implanté un système d'achat de magasins ou de trucs comme ça que tu peux un peu développer. Ça aurait été sympa. Désolé de vous interrompre. Je m'appelle V. Hans m'envoie. Tu dois être Brianna. Exactement. Martha, cette nana, elle va nous aider. On te laisse souffler un peu, ok? Ouais. Vas-y. Ouais, c'est vrai que juste... tu vois, comme pour les apparts, pas, je demande pas 20 000 apparts... enfin, je on demande pas 20 000 commerces à gérer, mais juste un ou deux, ça aurait été sympa. Je veux comprendre qui tu es. Tu sais, des trucs bien chers, qui, pour les gens qui ont beaucoup d'argent et tout ça, et qui s'en foutent un peu des voitures. J'ai bossé pendant des années pour Arasaka. C'est une bonne partie de ma vie. Que t'es, au final, que je m'en fous que t'es, qu'il te laisse plus que le choix entre soit développer tes commerces, soit acheter des voitures, mais justement... Les gens sont là parce qu'ils ont nulle part d'autre où aller. Maintenant, je te connais. Moi... Sweetie, un peu sympa. Parce que là, moi qui ai plus besoin d'armes, qui ai plus besoin de vêtements... Enfin, je vais pas acheter des... Je peux acheter des vêtements, mais... Les vêtements, t'en trouves un peu partout, donc t'as pas besoin de forcément en acheter. Et les voitures, bon, c'est sympa, mais là, je vais vraiment en acheter, histoire de... J'ai du fric, donc bon, voilà, quoi. C'est Brianna. Il y a 6 ans, j'étais poursuivie par les Tigers. J'ai fui et j'ai atterri ici. Pour la plupart d'entre nous, le passé se résume à peu près à ça. Fuir et survivre. Et c'est pour ça que, pour une fois, je veux être sûre d'obtenir justice avec les édits qu'on a récupérés. Une vraie justice. Bah alors, il n'y a pas de problème, ça. Comment vous avez réuni le fric pour ça? On s'est tous cotisés. Tous les gens d'ici. On a assez souffert.
Ok. La justice, ça veut dire quoi pour toi? La définition varie. Et je veux connaître la tienne. Léon Rinder ne mérite pas de vivre. C'était un porte-flingue pour Hansen. Un assassin. Je connais que trop bien cette vision de la justice. Peu importe. Le fait est que Rinder a tué Jason, le fils de Martha. Mais aussi ses amis et quatre autres résidents. Jason, Caleb, Deontay, Omar, Pharrell, Mathias, Alyssa et Tamika. Ok. Rinder fait plus partie du Barguest? Pourquoi? Parce qu'il tuait trop au hasard, je suppose. Tout ce que je sais, c'est qu'il est brutal et sans pitié. Un vrai monstre. C'est quoi son lien avec Hansen? Il avait rejoint le groupe quand Hansen s'est installé à Dogtown. On dit qu'il faisait les boulots que tous les autres refusaient de faire. Ok, donc c'est un psychopathe. Pourquoi Rinder avait rendez-vous avec Jason? T'as une idée? Tout ce que je sais, c'est que Jason devait aider Rinder à entrer en contact avec les Desos. Aïe! Mauvaise idée. Est-ce que Jason trempait dans des trucs louches? C'était un gamin qui essayait de s'en sortir à Dogtown. C'était pas un ange, mais il avait un bon fond. Ouais, enfin, ça l'excuse du bon fond. Hein. Ça, je veux savoir. Le Barguest laisse quand même pas les meurtriers s'en tirer comme ça, sans conséquence, non? Les meurtriers qu'ils attrapent. On leur a dit ce qui s'était passé. Mais comme d'hab, ils s'en tapent. Ouais, s'ils tombent pas dessus, ils s'en foutent. Martha, Jason, il voulait devenir fixeur. Il avait un boulot pour Rinder et lui avait demandé de venir à Longshore Stacks. Mais ils sont embrouillés. Rinder a commencé à tirer et... on est encore en train de nettoyer le sang sur les murs. On a dû identifier les corps via leurs implants. Ouf, dur. Il y avait ça sur le corps de Jason. C'est crypté, mais je suis sûre que t'arriveras à le déchiffrer. N'hésite pas à faire un tour et à mener l'enquête. Il y a encore pas mal de... traces. Ok. Y'a quoi sur l'éclat de données? Bah, viens de te dire qu'elle sait pas, mais bref. Mais je suis prête à parier qu'il contient des détails sur ce que Jason faisait pour Rinder. Je vais lui faire la peau à Rinder. Tu peux en être sûr. Et tu peux aussi le dire à la mère de Jason. Bien, je lui dirai. Maintenant, tu sais ce qu'on a vécu, V. Ne nous laisse pas tomber. Vous pouvez compter sur moi. Je veux que tu me ramènes la plaque militaire de Rinder. Ça rappellera bien cette bande de fumier. Qu'on ferme pas notre gueule quand on nous attaque. Pas de problème. Très bien, je ferai de mon mieux. Ok, alors... on va décrypter ça. Oh oui, en plus c'est du facile, c'est même pas pour faire semblant, quoi. J'ai un client pour toi. Le type cherche à vendre des implants de combat Militech 3ème gen. Parfait, envoie-le-nous à Pacifica. Ou au Los Osos Motel. Où est-ce qu'il les a trouvés? Je préférais savoir combien vous êtes prêt à payer. Ça dépend si c'est du chrome de qualité. Salé. Alors beaucoup. Plusieurs dizaines de milliers. Bah merde. Et ma commission? Très drôle. Même tarif que d'habitude. Ça te convient pas? Vois ça avec ton fournisseur. Pff, c'est toujours pareil avec les connards comme vous. L'édition. Ok. Allons voir ça. Ouais, c'est une embrouille sur... l'embrouille de départ, c'est sur les... merde. Attends. Ah, on a deux trucs possibles. Ok. C'est sur le prix... sur le prix, comme d'habitude, quoi. Je veux que Rinder flippe. Qu'il flippe de tout perdre, de la même façon qu'il m'a tout pris. Bon, c'est plus ou moins ce qui va se passer, en vrai. Hein. Des impacts pareils. On dirait du calibre 50. Mitrailleuse lourde MK31. Autrement dit, une sulfateuse qui pèse sa mère. C'est le truc impossible à porter avec des bras organiques. Oh, je pense qu'il sait plus... pour les Marines de Militech et les anciens soldats comme Rinder. Le scanner a pas détecté d'autres balles, donc ça ferait de lui le seul tireur. On dirait que quelqu'un a rassemblé différents types de douilles ici. Mais pourquoi? Ouais, ça c'est quand bizarre. Quand j'étais petit, après les fusillades, on se précipitait pour récupérer les douilles. Et on se les échangeait. Ça doit être la planque d'un gamin. Ça me D'accord. dit absolument que dalle sur Rinder, mais j'en aurais au moins appris un peu plus sur l'enfance de Johnny Silverhand.
Ouais, les enfants s'occupent comme ils peuvent. Ah. Tu vois ces empreintes de bottes militaires? Le porteur a dû courir, sauter sur le toit de cette cabane et se cogner la jambe contre la rambarde. Ça fait un saut de 3 mètres pour un mec qui doit peser au moins 160 kilos. Tous les empreintes de dinosaures. Ouf. Alors soit on est face à un gros lard champion de saut, soit Rinder a des cuisses améliorées en plus d'être chromé comme un putain de char d'assaut. Cyberpsychose ? Bof, sûrement une cyberpsychose alors dans ce cas-là. Elle a complètement détruit... détruit la rambarde quoi. Ok. Il y a d'autres trucs ? Attends. Donc ça, la voiture, je l'ai fait. Les traces de pas. Ce qui m'étonne, c'est que eux, ils me mènent nulle part. Il y a un largage. J'ai pas le temps. Je suis sur une mission là. Je vais prendre un peu de hauteur. On va voir ce que ça dit. Ouais, c'est bizarre. Je pensais avoir plus d'infos. Oh merde, attends, je suis où? Ok. Oh merde. Ah bordel. Attends, je suis tombé où? Ok. Froid, j'ai eu peur. Le dingue, c'est qu'il est pas parti par là. Je pensais qu'il serait parti par là, le mec. Bon, pas grave. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à... Je vois pas ce qu'il y a d'autre à scanner, donc c'est pas grave. Il y a l'air d'avoir quand même un chemin, mais le chemin mène nulle part visiblement. Est-ce qu'une fois là-haut, je sais pas pourquoi il continue à me dire fouiller la zone, mais... idée. Oh non, mais je tombe comme une merde. De toute façon, je peux pas sauter moi, hein, ouais. Tac. Tac, il défonce ça. Par là. Aucune idée. Bon, pas grave, allez, on s'en fout. Je sais pas pourquoi ça me dit qu'il y a encore des trucs à fouiller là, alors que visible... Oh, oh putain, c'était là. Oh, mais j'y crois pas. Comme quoi, faut toujours vérifier une dernière fois. Rinder s'est défoulé contre le sol ou quoi? Ça vient pas de son poing. Tu vois le sang et le creux? Il a éclaté la tête d'un pauvre type, plusieurs fois. Comme s'il avait pété les plombs. Ah, pour le... On dirait que tu cherches une machine à tuer surchromée qui a complètement déraillé. On dirait bien. Bon, les cyberpsychos, j'ai l'habitude. Donc là, c'est bon, en fait, ouais. Ok, c'est bon. C'est juste la tache de sang qui me manquait. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Oh putain. Ah mais c'est où en fait? C'est bon. Je vais avoir un petit truc à manger. Hop, tac. Sauvegarde et c'est bon. On va éviter de s'accrocher avec les gars de Berggeist. On va aller directement là où il y a ce cinglé. Choum, cette déesse est nulle. Ouais, c'est la vie. Si t'avais pas fait le radar, t'aurais eu plus de choix. Ok. Attends, c'est pas du tout par là qu'il fallait que j'aille. Ah mince. Par là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins comme ça je sors. Il
puis voilà. Ah oui. Oh, bon, c'est bon. Ah, mais c'est un cul-de-sac là. Ah. Mauvaise idée donc, pour ma part. Oh, tu rigoles ? Passe. Ok. Ah mais non, mais je reviens là en fait. Y a pas. Ok, d'accord. Vraiment. Vraiment pur. Pur quoi. Pur cul-de-sac, voilà. Purée. Le mot cul-de-sac que j'avais visiblement oublié. Wow. Je suis pas du tout au bon endroit. Ah c'est. Ah putain c'est une. Ok d'accord. Ok. Ah mais il me conseille. Ah mais il faut que je sorte. Ah... Ok. Ah ouais, on en est au point où il faut que je sorte de la. De Docton en fait. Ok. Ah mais j'aurais dû regarder ça plus tard. C'est qui ? Attends, une affaire intéressante vient de me tomber dessus, V. Oh purée, attends. Lina Molina, une célébrité locale de la DS, affirme avoir été enlevée et être retenue contre sa volonté dans une boutique de location de DS appelée Brainporium. Lina cherche un merc pour la libérer de des griffes de son ravisseur. Son histoire tient plutôt la route, mais j'ai pas réussi à confirmer l'identité de la cliente. Les données qu'elle m'a envoyées diffèrent sur plusieurs points avec les infos de sources fiables. Alors je préfère ne pas servir d'intermédiaire dans cette affaire. Cela dit, si ça t'intéresse, j'ai transmis les coordonnées qu'elle m'a envoyées. En ce qui me concerne, je suis comme les Romains. Je m'en lave les mains. Ok. Je n'ai pas vraiment suivi sa carrière, si on peut appeler ça comme ça. Mais comme toujours, j'aime me tenir au courant des choses. Ok. Non mais là, à 90%... C'est elle qui a mis en scène son propre enlèvement pour justement faire un truc de genre pour tourner une déesse du genre Merc qui vient me sauver ou un truc comme ça, sauvetage en mode plus réaliste. Ce qu'elle s'attend pas peut-être, c'est que je tue toute son équipe. Enfin que je tue tous les figurants qu'elle a embauché pour le truc. Et que ça soit bien plus brutal que ce quoi elle s'attend. Putain, il y a des trucs partout à faire dans Docton quoi. Bon, de toute façon là, faut que je sorte. Faut que j'aille voir cette affaire de meurtrier là et je m'occupe de l'influenceuse après. Parce que à 200% c'est un truc. Oh non mince, je l'ai tourné trop tôt. Wow. Oh merde! Oh je me suis coincé! Oh je conduis tellement mal, j'ai réussi à me coincer sous la grue! Attends, si je sors. Ça fait quoi si je sors de la moto? Ah, il m'a téléporté en dessous du. Attends, c'est une grue ou un char d'assaut? C'est une couille. Oh, je suis trop fort. Par contre, je vais payer masse la réparation de la moto. Ah non, mais le jeu considère tout le temps toujours que la moto est sous le truc. Faut que je m'éloigne plus. Oh, bordel. Ah, vraiment, trop puissant. C'est bon. Voilà, c'est là. Toi est tombé. Elle dit j'en ai marre de ce que tu me fais subir. Le plat. Ok. Ouais. J'aime bien, il râle quand tu mets trop longtemps à te barrer. Incroyable. Ah
Ah mais si tu fais des clips à chaque erreur de pilotage que je fais, tu vas en avoir 20 000 hein. Ah mais celui-là était encore magnifique hein. Oh putain. Ah mais se planter comme ça, alors là j'ai encore fait fort. Hein. Là. Ouh merde. Oh mais bordel. Comment ça se fait qu'il y a des animaux ici? Ah j'adore que... Il y en a juste un qui est pas encore. Voilà. Ah merde. C'est qui m'a repéré? Ah mais il y avait eux. Ah ok. Mais... Oh. Mais vous êtes même pas des animaux, vous êtes des désos. Qu'est-ce que vous foutez à en avoir quelque chose à foutre des désos? Des animaux... Oh merde. Ok, c'est pas grave. Oh mais t'es pas mort. Ok. Tu peux pas récupérer le loot, t'es trop... Ouais, t'es trop dans une situation improbable. Ok, c'est pas grave. Par contre, j'ai pas récupéré ici. Vous devez être tous morts par contre, puisque j'ai utilisé du piratage de suicide. Et allons voir la suite. Wow. Ok. Dakodak. Il y a des gens. Et des gens énervés. C'est qui, Brian? N'oublie pas que tuer Ender ne suffit pas. Tu dois me ramener sa plaque militaire. Ouais, ouais. T'inquiète, t'inquiète, je suis sur le coup. Attends, faut que je rentre par où par contre? Je vais rentrer par où? Ah ouais? Voilà. Je vais t'organiser un truc, hein, t'apporter un truc à boire. Un truc qui t'enverra direct dans l'espace. Arrête d'essayer de vendre de la drogue, hein, des os. Là. Je devrais peut-être faire attention. Ah mais il y a même une standardiste dans leur truc. Merde. De toute façon c'est qu'un truc de déso ça, on est d'accord. Il n'y a pas d'innocent là-dedans. Attends, lui il me voit. C'est ici que Rinder est venu pour faire affaire. Ouais. Un hôtel abandonné infesté par des voleurs d'organes. Je me demande si on le retrouvera au premier ou alors à chaque étage, éparpillé en petits morceaux. C'est possible. Salut. Ouais, notre... Ouais, ouais. J'aurais peut-être dû écouter ce qu'elle avait à dire. Bon, pas grave. Ah bah, j'aurai les infos. Je te prends un truc au stade, prends quelques boosters de Sinonoro. Pour le matos Zetatech, ouais. Tu vas faire quoi là-bas? Je dois m'occuper d'un patient pour Damir. Il a besoin d'aide. Je croyais qu'on lui fournissait tous ses patients. Pas tous, cette fois, c'est pour une vraie opération. Ok. Hop là. Neuf. 55. FBD. Ah, j'ai pris le mauvais. Pas grave, qu'est-ce que j'ai en E9 qui peut être intéressant? J'ai pas de E9 intéressant. Merde. Ok. Hop, 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 hop. Oh, je l'ai vu au dernier moment. Tac. À celui qui trouvera Damir le premier, dis-tu que je me suis occupé de la lime de secours. En cas de surtension, l'alimentation basculera automatiquement sur les générateurs de secours. À partir de maintenant, cette saloperie de tech médicale tombera plus jamais en panne. Bon bah ça c'est une bonne nouvelle.
Attends, je tue les mecs ou alors avant... Ah mais il y a du monde. Ah mais elle bouge trop en fait. Elle va être chiante. Hein. Ah tu vas être chiante Maran. Oh oui tu vas être chiante. Voilà. Alors. Wood Boy. C'est pas compliqué. À Pacifica, les Haïtiens sont intouchables. Compris, pas d'enlèvement, pas de récolte de chrome ou d'organes. Pas même de choyeuse chamaillerie. Ces derniers temps, ces tarés de Voodoo Boy sont susceptibles pour tout ce qui touche à leur influence à Pacifica. Alors tenez-vous à carreau. Tu m'étonnes, après la mort de Mama Brigitte, ils ont eu peur de perdre leur territoire. Hey, pareil que vous cherchez des implants et que vous posez pas de questions. On dirait bien que je suis votre homme. J'ai mis la main sur des techs de pointe, principalement des bras et des jambes bourrés de trucs géniaux. Tout a été calibré pour des athlètes, mais ça n'intéresse n'importe quel client. Ça n'intéressera n'importe quel client. Ah, ok. Oh putain, je sais pas pourquoi là, j'arrivais pas à comprendre la phrase, donc j'arrivais pas à la lire. Mais ça intéressera n'importe quel client. Pourquoi ça intéressera n'importe quel client? Il précise ça parce qu'il a dit juste avant que c'était des trucs pour les athlètes. Ok. Ouh, le matos est prévu pour des gens plutôt petits, voire des gamins. Alors, on fera affaire? Oh, il a récupéré du chrome de la clinique qu'on a vue tout à l'heure, où on est allé tout à l'heure. Ok. Je pose pas de questions car j'ai pas besoin de le faire. Vous travaillez avec Fiona, ce qui signifie que je suis pas intéressé. Et si vous saviez pour qui je travaille. Et si vous saviez pour qui travaille Fiona, vous n'enverrez pas de tels messages. Ne me contactez plus. Ouais, travailler pour des gros morceaux. Donc c'est vrai que c'était un peu idiot d'essayer de la voler. Wow, c'est quoi ça? Mitrailleuse lourde, ok. Le cracheur de Rinder. Alors, il est bien arrivé ici. Mais il est peut-être pas reparti en entier. Hop là. Là. Ok, et je peux pas le voler? Dommage. Et c'est quoi sinon? Je connais le gars dont tu parles, celui du Barguess. T'as pris son crasher? Ouais. Les garçons jouent avec. Où ça? Sur quoi? À l'intérieur, contre le mur. Ils seront bientôt à court de munitions. Il y a intérêt, s'ils pouvaient éviter de merder pour une fois dans leur vie. J'ai l'impression qu'il a pas survécu au désos, le mec. Va falloir récupérer ses plaques, mais... Non mais tu m'intéresses pas gamine. Essaye de faire quoi toi là? Là. Non. Oh, putain je déteste quand je les récupère automatiquement. Mais non mais... Ah mais je l'avais dans les bras. Ah je l'avais encore sur moi. Ah ouais c'était dangereux là. Ok, tac, tac, tac. Ça mène par où ça? Non, c'est leur salle de contrôle. Ok, bon y a même... Ah, attends, là, il y a du lore. Voilà comment ça va se passer. D'abord, je craque le logiciel de certains modèles de biomoniteurs, puis je charge chaque crack sur un éclat. Et ces éclats, sont ce que je vous donne. Ces éclats sont ce que je vous donne. C'est bizarre. La phrase est logique, mais elle me paraît bizarre. Si vous devez brouiller le signal d'un biomoniteur de Militech, vous insérez l'éclat crack guess dans le type et le signal est brouillé. Je peux pas faire plus simple que ça. J'ai tout noté point par point. Kidnapping et piratage de biomoniteurs pour les pommards. 1.
Les biomoniteurs transmettent un signal SOS à la trauma après 15 secondes en cas de perte de connexion, d'interférence détectée ou si les signaux vitaux ne reviennent pas à la normale. Mon éclat doit se trouver dans votre cible avant la fin de ces 15 secondes. Exposez la cible à une IEM légère avant de la mettre KO et d'insérer l'éclat, c'est encore mieux. 3. Certaines personnes ont des fentes d'insertion factices. Si la puce est endommagée, la TT sera immédiatement alertée. Alors, vous attaquez jamais à une cible sans l'avoir étudiée au préalable. 4. À Docton, c'est un jeu d'enfant, vu que la trauma se pointe presque jamais. Mais ici, à Pacifica, il pourrait rappliquer. Alors, si vous m'amenez un VIP de Night City qui se peintait la gueule au Heavy Earth, vous devez quand même lui insérer un éclat craqué. Si vous ne faites pas, vous pouvez être sûr que la trauma viendra nous rendre visite. Ou alors moi, ce qui est encore pire. J'ai le nouveau biomoniteur de ZetaTech avec la mise à jour logicielle. Et il y a un truc qui déconne, j'arrête pas de générer du hackage avec du SHA 8192 et pas la moindre foutue correspondance. Et la manière forte qu'a fait planter le matos de Sandra Zorset, donc sa petite ref au début du jeu, marche pas non plus. Il y aurait un moyen d'aider Ernschum ? Sérieux, autant essayer de faire démarrer une Rightfield Excalibur à la manivelle. Du Blackhead fera fondre la glace en 2-2 et vous pourrez bousiller les signaux de ces modèles sans aucun problème et sans que la trauma en ait la moindre idée. Tu voudrais pas laisser ta boutique pourrir. Ah ok. Tu voudrais pas laisser ta boutique pourrir au stade et venir bosser pour nous, Tchoum. On aura toujours du boulot pour toi. Merci, mais non merci. Ok. Oh, c'était compliqué. Il y a des phrases des fois. Elles sont logiques quand tu les lis, mais à l'oral, elles passent pas du tout. Et là, j'ai bien galéré. Ok, ça, c'est la sortie. Ouais, faut que je monte là-haut, hein, de toute façon. Mm-hmm. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un à cause du mannequin qui est là. Bah, il est là pour ça, hein, mais... Ok... Oh ! Pourquoi tu tournes... tu te tournes comme ça, toi ? Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Espérons que ça passe mieux. Au sujet de l'opération de votre gars du Barguès, je vais devoir le découper, et pas qu'un peu. Ce qui veut dire que j'aurai besoin d'inhibiteurs en quantité, de sang synthétique pour la transfusion et d'une poignée d'anesthésiants que même un foie modifié par Militech ne pourra éliminer. Prenez-en soin. Quand il arrivera, donnez-lui de quoi se détendre. Je veux qu'il soit endormi quand j'arriverai. N'essayez même pas de lui enlever son chrome. C'est mon boulot. J'espère que c'est bien clair. Le mannequin à son nom présente un schéma des implants qui nous intéresse. Ok. Ok, ok. Ah ouais, ok, il met un mannequin et comme ça il note ce qui les intéresse. Intéressant. Celui avec la veste du Barguest est marqué Rinder dessus. Et il y a des prix sur les bras et les jambes. Ils ont revendu son chrome ? Aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est que ce connard coûte un bras et une jambe. Je suis plié de rire. Allez, il faut qu'on le trouve. Lui, ou alors sa plaque militaire, ou ce qui reste de lui. Mais pour l'instant, je sais pas pourquoi ce con a fini découpé au final. Comment il s'est fait avoir par les Désos ? Par là, j'ai dit, ouais, c'était juste le mur, donc j'ai pas d'entrée. Ok. Faut passer par là. Oh. C'est où ? Ah, intéressant. Moi, le matos, ça m'intéresse toujours. Hein. Tac, tac, tac. Ouh, attends. Ah, c'est dommage. Ah, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Attends, j'arrive.
Je vais tuer les gens d'abord. C'est toujours plus simple. Quand il n'y a plus personne. On va un peu regarder ce qui se passe. Ah ouais, c'est triste. Oh bah tiens, toi tu vas aller dans la caisse. Quoique je suis pas sûr que ça soit lui, parce que je crois que c'est un corps de femme que j'ai vu de là-bas. On va aller voir. D'accord, c'est donc pas lui. Effectivement, c'était pas lui. Ah! Oh, intéressant, non? Chasse au mannequin, Siona Simone. La nana a bossé pour une corpo. Elle est blindée de chrome premios, renfort mémorial Arasaka, glace privée, pas la peine de chercher à la briser de près ou de loin, console biotech MK3 et un monocable. Vous la trouverez derrière le comptoir du Heavy Hertz. Ok. Eliane Zarata. Une corpo de Minitech censée passer au stade pour faire affaire avec une certaine Sophia Dupont. Madame a un chauffeur privé, alors faut mieux commencer par s'occuper de lui, piquer la caisse et attendre que la demoiselle monte dedans. Ensuite, comme d'hab, brouillez le signal de son biomoniteur et prenez-lui jusqu'au moindre boulon chromé. Ok. C'est une liste de victimes, quoi. Noah Chauffol, Charcoudoc au stade stand 137. Il vit dans des stacks, l'attraper devrait être un jeu d'enfant. On veut ses bras, alors les brisez pas, compris ? Thomas Grandberg, avec lui un peu plus de délicatesse, d'accord ? Endormez-le et récupérez son implant de moelle épinière au niveau de la L5. Damir Kovacs s'occupera de lui. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire. Quand il aura terminé, vous déposez le gamin chez sa mère. Et j'insiste sur ce point. Pigé, Kovac est du genre sensible et on ne voudra pas qu'il se retourne contre nous. Alors tout doux avec le gosse, s'il vous plaît. Ah, ils veulent juste son implant et ils le laissent en vie. C'est très rare pour des désos, c'est très rare. Zachary Watson, un soldat de Zetatech qui fait affaire avec les animaux la Pacifica. On a déjà posé un mouchard sur sa caisse, alors dès qu'il mettra un pied sur notre territoire, vous le saurez. En général, il passe entre 34 et 36 minutes à Pacifica. Par contre, le type est chromé jusqu'à l'os, alors pas question de s'en approcher, vous devez l'abattre à distance. Sa tête et ses jambes doivent rester intactes, mais peu importe le reste. Quand vous recevrez le signal indiquant qu'il est dans la zone, installez-vous sur le parking près du centre commercial et attendez. Faites ça vite et proprement. Ouh, mais t'as pas le droit de toucher la tête, parce qu'en vrai, sniper avec, dans la, avec sniper anti-char, tu tires une balle dans la tête et c'est terminé. Là, là, ça veut dire que faut viser le cœur et faut bien le viser. Hein. Écoute, Chaume, deux choses. Primo, nos gars ont attrapé du beau gibier à Écarille, dont une femme qui s'est payée son chrome quand elle bossait pour une corpo. Je veux pas la confier à notre boucher. La dernière fois qu'il a retiré un bras cybernétique, il a bousillé toutes les connexions nerveuses. Autant dire que le bras servait plus à rien. Deuxio, un certain Léon Rinder est passé nous voir. Il a des implants de combat Minitech et il veut les vendre. Deux raisons pour donner ce boulot à quelqu'un qui sait y faire et qui, au passage, pourrait réparer les bugs de Noga. Alors, je peux t'envoyer un chauffeur ? Ah, il est venu de lui-même vendre son chrome. Incroyable. Ok. J'ai du beau matos en stock, du chrome Militech récupéré sur un soldat du Barkès, un certain Léon Rinder, 27 ans, retiré par un professionnel. Kovacs est chargé de l'opération lui-même, avec le consentement du patient. Aucun implant verrouillé, logiciel garanti sans bug et pas de tension due au stress au niveau des connexions nerveuses. Bref, tout est comme neuf. Qu'est-ce que t'en dis ? Le gars était en bonne santé, propre, pas de virus qui serait passé dans le chrome ? Propre comme un sous-neuf. Ok. Écoutez, notre brave petit soldat est toujours en vie, mais à peine. Peut-être que la momie va caner. Peut-être que non. En attendant, il paie et envoie les transferts demandés. Alors prends soin de lui. Apportez-lui ses repas au dernier étage. On le garde au fond du couloir, à côté de la salle de coupe. Ok. Donc il est venu de lui-même vendre son chrome et se payer un rétablissement, quoi. Dans le sens où il paye les désos pour se remettre de l'opération, quoi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les désos sont l'air de tenir parole pour l'instant. Ce qui est très rare pour les désos, mais tant mieux. Hein. Ok, ok. Alors là, je suis assez étonné, le mec est venu de lui-même. D'accord.
Donc je pense que c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il faisait une cyberpsychose. Et il a décidé de se débarrasser de son chrome avant de... Ok, attends, j'arrive. Hein, j'arrive, Johnny. C'est quoi que t'as eu? Ah, ok, ouais. Oui, bah c'est habituel quoi de trouver ça dans une planque de Désos. Tout du matériel volé, des gens morts par milliers, blablabla. Bla bla. C'est triste. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les tue. Tiens. Oh, le mec fait une crise. C'est ça de prendre de la drogue, mon gars. Ok. J'ai appelé la voiture, la moto au lieu de... Bref. Tac, donc direction le dernier étage, puisque il est au dernier étage, ça on le sait. Mais je vérifie quand même s'il n'y a pas des trucs cachés. Ouais, bof. Je l'avais déjà en plus cette chemise, je crois. Ok. Tac, donc là il va me faire ouin ouin ouin, je suis un pauvre gars. Attends, je vais sauvegarder. Donc je disais, oui, il va me faire ouin ouin, je suis un pauvre gars, tu vois, je veux me repentir, j'ai vendu mon chrome. Oh, attends, il y a quand même des gens à se débarrasser avant. C'est pas lui, hein. Non. C'est pas lui. Non, mais à coup sûr, ça va être ça, il va me faire le coup de, ouais, je veux me repentir, j'ai vendu mon chrome, gars... J'ai compris que c'est horrible ce que j'ai fait. Oula. Quoi? Genre, je peux pas le tuer? C'est quoi ce bordel? Bah. Ah oui, si. Ouais. Voilà. Oh purée. Ah. On est drogué, c'est ça qui est bien, c'est que c'est facile à tuer. Ah non, je suis déjà allé par là. Okay. Je vais juste vérifier qu'il y avait bien rien. Ok, juste de la musique. Il a envie lui? Ok. 25 ans, un plan de bras deuxième génération, contrefaçon de Zetatech. Ok. On sait qu'il serait dans les parages. Ah, il est là. C'est lui? Ah non. Ah, ça doit être par là. Ok, j'avais pas vu. J'ai un mauvais pressentiment en V. Bon, on verra. Je crois que t'exagères un peu. Attends. Je peux reprendre le contrôle du jeu là. Je vais te buter. Ouais, ouais, ils disent tous ça. Attends. Ah, incroyable. Oh merde. Ah putain. Ah oui, ok, d'accord. Ah, c'est pas tu vas me buter genre t'es faible, c'est genre t'as les capacités de me buter. Ok, désolé pour moi. C'est tellement rare que ça arrive que j'ai été un peu surpris. Surtout que je sais pas pourquoi t'as une défense face au... Face au suicide, visiblement.
Hop, attends. Je veux juste voir ce que tu fais face au suicide. Ah ouais, t'as une belle résistance au suicide, toi. Ok. Cette connasse nous pirate ! Ok, ok. Ah, tu peux tirer une balle dans la tête et quand même survivre. Impressionnant. Ça sent pas bon ! Ok. Ok. Hop. Cette connasse nous pirate ! Ouais ! Oh. Oh ouais, t'es quand même bien résistant hein. Attends, par contre j'ai plus de munitions. Voilà. Alors, hop, faut peut-être que tu deviennes un peu aveugle, mon grand. Voilà. Oh. Attends. J'ai plus de munitions. Voilà. Oh. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, intéressant. T'es où? Ah, t'es là. Ok. Désolé. Oh, attends, je dois avoir de quoi. Et voilà. Voilà. Bah ouais, c'est ça qui est bien avec les boss, tu sais quoi? C'est le démon pour faire en sorte qu'il bouge plus. C'est toujours très efficace. Je suis censé être sa putain de babysitter. Il a payé pour qu'on le protège, les ordres viennent de Damir. Ouais, bien il peut se les foutre au cul ces ordres. Tu sais combien il paye pour notre protection? Tu l'as téléchargé? Tchoum, oublie ce que j'ai dit, je vais le surveiller, le protéger. Je peux aussi lui lire une histoire et lui tenir la main pendant qu'il s'endort. Haha. Qu'est-ce que tu veux? Je ferais n'importe quoi pour autant d'édits. J'y peux rien. Et c'est ce qui me plaît chez toi. Ouais, mais bon, tu sais pas quand il faut fuir. Tididi. Alors, monsieur, j'essaye de me repentir. Ah non, tu... Ok. Hey, du calme, Choum. On peut discuter, hein? Ouais. Tu vas pas buter un type sans défense quand même? Si, complètement. Mais je veux savoir ton histoire quand même. Rinder? Je sais ce que tu vas me dire, mais j'ai envie de savoir ton histoire. J'imaginais différemment, plus chromé. Ouais, je suis Rinder, ou du moins ce qu'il en reste. J'imagine que t'es là pour me descendre. C'est Hansen qui t'envoie. Je suis. Ah ah ah, il croit que c'est Hansen. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon, mais complètement con. Bah oui, mec, t'as fait d'autres victimes. Comme si que Hansen en avait quelque chose à foutre de toi. Si au nom de tous les gens que t'as buté à Longshorstax. Voilà. Quoi? Attends, Longshorstax? J'y étais, un type a essayé de m'arnaquer, mais j'ai tué personne. Ah ouais? C'est... Alors? C'est crise d'absence. Je suis ouais. Toujours là. Je suis okay. Malade, ok? Mais t'as l'air d'en savoir plus que moi. Voilà, cyberpsychose, ouais, je connais un peu. T'as laissé les désostes charcuter comme une dinde avant Noël. Pourquoi? Mais parce que je leur ai demandé, tu crois quoi? Je leur ai vendu mon chrome. C'est peut-être des tarés, mais ils tiennent parole. Non, ils tiennent donc rarement parole, t'as eu juste eu de la chance. Voulu me faire la peau? C'était ton charcutoc? Ce gros branleur? Ça montre juste qu'ils valent que dalle comme garde. Je veux savoir pourquoi il a quitté le barguet soit avant de le tuer. Et toi, il t'a dégagé du groupe? Mais t'es aveugle ou quoi? Il m'a laissé crever la gueule ouverte, et mes choum aussi. Dire que j'ai donné 8 ans à cet enculé. 8 ans? Le gamin s'est enrôlé à 20 ans. Il a aucune excuse. Putain, mais qu'est-ce qu'il s'imaginait en se bourrant de chrome comme on bourre une piñata? C'était sûr qu'il allait vriller. T'inquiète, Johnny, on va le tuer, t'inquiète. T'as buté ce gamin, Jason, et 7 autres personnes. Dis-moi pourquoi. Mais il a fait une crise de cyberpsychose, il s'en souvient même pas. Okay, malade. Je voulais revendre mon chrome et récupérer assez de thunes pour me faire traiter. Jason était mon intermédiaire avec les désos du coin. Et t'es là. Donc ça veut dire qu'il a fait son boulot. Ouais. Sauf que d'abord il a essayé de m'extorquer façon docteur. Ouais, bah ça c'est normal. Il hein. Agitait son cracheur dans tous les sens, putain de sauvage. Ensuite. Ouais, mais ça c'est un classique, ensuite, tu devrais le savoir. Je me souviens de rien. Ouais.
Hop. Tu vas me dire qu'il n'y avait aucun charcutoc à Dogtown pour t'aider? Pour te dire ce que t'as? Tu crois que je me serais fait éviscérer comme un poisson si on avait pu m'aider? Que je me serais fait remplacer des implants de combat troisième gène par de la merde mal calibrée? Hop. T'as fait le sale boulot de Hansen pendant des années. Pour ça aussi, t'as une crise d'absence? Et tu veux que je te dise quoi, putain? Que je reconnaisse tous mes péchés, que je m'en souvienne ou pas? Que je regrette? Très bien. Je regrette, ok? Je regrette toutes ces années avec Hansen. J'étais qu'un gamin quand je l'ai rejoint. Je suivais les ordres. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Mais toi, toi, tu sais pas ce que c'est que de vivre à Dogtown. Oh non. Dogtown l'a bouffé et l'a chié sans remords. Cet endroit doit déborder des troncs comme lui. Ça serait plus simple si tout était de la faute de Hansen. Mais ça marche pas comme ça. Bah, ça marche jamais comme ça. Mais en vrai, c'est effectivement une y a une partie où il n'est pas responsable. Mais ça change rien à son destin, en fait. Faut quand même les abattre. Vas-y, dis-moi. C'est comment la vie à Dogtown? Je lui pose des questions juste pour le lore. Ils ont voulu me la mettre à l'envers. C'était ce petit branleur de Jason. Dogtown est rempli de racailles comme lui. Barquest à côté, c'est des gentils. T'as vu comment ils vivent? Dans ces conteneurs? Comme des putains de du racisme. Tu veux te casser? Ils t'en empêchent. Ils veulent que tu pourrisses là, avec eux. En soi, je veux bien le croire. Les gens minables qui veulent t'enfoncer encore plus. C'est un classique, mais ça excuse rien, malheureusement. Qu'est-ce que t'attends? J'étais sur les lieux. Toutes les douilles venaient d'un crasheur de l'armée. Le genre que t'étais le seul à pouvoir trimballer. Ensuite, t'as éclaté la tête de Jason sur le sol plus d'une dizaine de fois et t'as fait voler les autres comme des jouets. Il y avait du sang partout. Non, non, c'est pas possible. Je le jure, je m'en souviendrai si... Il dit vrai. Il a eu une crise d'absence. Ouais. C'est pour ça qu'il se souvient de rien. Quand on fout autant de chrome sur un type déjà sanguin, c'est le carnage assuré. Attends, on peut appeler Regina? Si c'est de la cyberpsychose, il y a peut-être encore un espoir pour lui. Je devrais appeler Regina. J'en ai connu un paquet qui ont rejoint l'armée pour se faire du fric. J'étais l'un d'eux. Mais 8 ans pour se trouver une conscience? Ah non, ça, il peut crever. Le descendre? C'est ça ta solution? Pour une fois, je suis un peu c'est d'accord avec Johnny. Et il l'a bien cherché. Je l'appellerai pas le karma. Sauf si tu décides de prendre en pitié tous les connards qui commencent à regretter. Ryder, ces crises d'absence, ces coups de sang. Tu t'es pas dit que peut-être t'étais atteint de cyberpsychose? Quoi? Parce que j'ai choisi de pas fuir quand cette racaille de Longshorstad a essayé de me plumer? Oh merde. Lâche-moi, putain. Regarde-moi. Qu'est-ce qui me reste à perdre, hein? Je me suis fait niquer par tout le monde. Avant, j'étais un soldat. Oh, il regrette que dalle, il est même pas conscient de sa propre maladie. Avant de finir comme ça. Ouais. J'avais 20 ans, ok? J'ai fait confiance à Hansen. Et j'étais pas le premier ni le dernier. Mais tout est de ma faute, c'est ça? Mais il est pas là, le problème. Et toutes ces petites salopes que j'ai descendues à Longshorstax, eh ben je les encule! J'encule Dogtown! J'aurais dû cramer ce trou à merde et tous les rats qui y vivent! Mon grand, si t'es même pas conscient de ta propre maladie, c'est que de toute façon... Alors, dans le cyberpsychose, il y a psychose et les maladies mentales, la première chose pour se soigner, c'est tout simplement d'être... c'est d'être conscient de ce qu'on a, quoi, malheureusement. Allez, on se tire. Ça servait à rien d'essayer de faire semblant d'essayer de le sauver, de toute façon... Hop, c'est triste. Effectivement, il y a une part de responsabilité qui va à son environnement, mais... C'est le genre de mec qui peut plus être sauvé du tout. Et c'est ça qui est bien triste. C'est plus triste qu'autre chose, en fait. Mais bon. À un moment donné... Toute cette affaire ne sert à rien, puisque de toute façon, la pure vengeance hein, ne ramènera pas les morts. Et ne fera même pas
les familles des victimes n'arrêteront même pas de souffrir, hein, de toute façon. Comme d'habitude dans Cyberpunk, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bon choix. Que le problème venait à... Oulé, dili. Attends, par où faut passer? Oh, c'est moi qui ai pris un détour là qui est débile. Ok. Tac tac tac. Ah ouais. C'est bon? Rinder est mort? Tu nous as pas laissé tomber, hein? Non, non, t'inquiète. J'ai retrouvé Rinder à Pacifica. Je me suis occupé de lui. Alors ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. Au nom de tous les résidents de Longshore Stacks. Merci. Ouais. C'était la moindre des choses. V, la cible a-t-elle été éliminée? Oui, c'est bon, t'inquiète. Je m'en suis occupé. Alors félicitations. Contrat terminé. Très très bien tout ça. Ok. Alors... Elle m'intrigue, cette sauver Linda là, de la boutique DS. Ça m'intrigue fortement. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce qu'après, j'ai quoi? Ah oui, j'ai aussi le contrat qui est là. Ok. D'accord. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Tout simplement, parce qu'en plus, il y a 2-3 autres choses que je voudrais faire. Donc, je m'arrête là pour cet après-midi et on va aller sauver Linda ce soir. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bye bye!